C'est avec l'objectif de prendre soin autrement que le centre hospitalier de Gournay-en-Bray a intégré la médiation par l'animal au sein de son établissement. C'est une approche non médicamenteuse qui met en lien les participants et les animaux. Grâce aux interactions qui se créent entre eux, il est possible de mettre en place des activités qui répondent à des objectifs précis. Les séances durent environ 1h30 et sont proposées tous les 15 jours. Plusieurs activités sont mises en place, préparation de légumes et friandises, création de parcours, brossage, nourrissage, câlin. Les activités proposées sont nombreuses et sont adaptées aux besoins et capacités de chaque participant. Ce projet proposé par Marine Antôme, AMP ASG, a été ensuite porté par l'animation ainsi que le comité éthique de l'établissement et l'association de bénévoles Les Heures Claires. Notre établissement se situe dans un milieu rural. Il est donc naturel pour la plupart de nos résidents d'entrer en contact avec les animaux. La médiation animale nous permet de créer des activités en s'appuyant sur cette relation. On peut ainsi travailler divers objectifs tels que la motricité fine, la mémoire ou l'interaction sociale. Les animaux ont cette capacité à inciter les personnes à se dépasser sans s'en rendre compte. Ils sont une présence rassurante et motivante. Les animaux sont source de stimulation par le biais des différents canaux sensoriels. En caressant la fourrure d'un animal, le stress et l'anxiété diminuent. C'est un toucher réconfortant. J'ai oublié des mauvaises idées. La médiation animale permet aux soignants de voir les résidents autrement, de partager un moment serein avec les participants, autre que les soins corporels. Une activité bienveillante pour les résidents, beaucoup plus apaisée alors que c'est des personnes très déambulantes, avec une meilleure concentration, un échange autre que ceux qu'ils peuvent avoir habituellement avec nous les soignants ou même les familles. Et une concentration que parfois je ne leur connaissais pas. Et ce qui permet à nous soignants de les voir aussi sous un autre angle. Au sein du service sécurisé, la médiation animale apporte un climat serein. Pendant que les animaux sont là, on remarque qu'il y a beaucoup moins de déambulation. Les troubles du comportement sont diminués. Les participants sont calmes mais concentrés. C'est un moment suspendu où les échanges se font naturellement. Pas trop mal, hein. Oh, vas-y, Maurice. Oh, mais il faut laisser manger un peu. Hein. C'est de la menthe, ça, non? Oui. Ouais, ça sent. C'est noir. Mais c'est ça. Dans le futur, nous aimerions pouvoir proposer des séances plus régulières, également développer l'accompagnement des personnes isolées en chambre, en fin de vie. Une association avec l'approche Snuzzelen est également en réflexion.